Bonjour, je suis Nabila Halim, j'ai 31 ans, je suis née à Rabat au Maroc et je suis artiste photographe. Je m'appelle Amandine Turi-Hulken, j'ai 30 ans, je suis photographe, anthropologue et enseignante en anthropologie visuelle à l'Université de Strasbourg. Je suis arrivée en France pour mes études à l'École des Beaux-Arts et une fois j'ai fini mon cursus, j'ai rejoint le projet de quelques amis photographes, un festival qui s'appelle Locomotion. Et c'est là où j'ai rencontré Amandine avec qui je fais la résidence La Fabrique au Grand Est. J'ai un double parcours, à la fois en anthropologie et en photographie, et je réalise des documentaires au long terme. De 2012 à 2017, j'ai fait Zone 54 avec un groupe de personnes zonards que j'ai rencontrées à Nancy. Depuis la fin de l'année 2016, je travaille avec des personnes syriennes sur le documentaire Alan Wassalan, Bienvenue. J'utilise la photographie, la vidéo et parfois l'installation pour parler de divers sujets. Donc, ces dernières années, j'ai fait des pièces autour du cancer, du corps malade. Et plus récemment, je m'intéresse aux questions de l'exil et à la figure de l'étranger. Ce que je questionne, c'est la façon dont les pratiques collaboratives peuvent créer une photographie qui soit dans une sphère à la fois éthique, esthétique, politique et sociale. Nous avons proposé avec Amandine un projet autour de l'immigration. Nous voulons travailler sur le rapport qu'ont les personnes à leurs propres origines. Ah, dernière question. Avec les collégiens, nous souhaitons faire des ateliers photographiques ou autres. Je pense qu'on aimerait bien aussi travailler sur le son. On aimerait travailler avec les collégiens, mais aussi avec tout le monde, autour de la question de métissage et autour de la question de l'altérité. Ce qui m'intéresserait aussi de voir, c'est la façon dont l'autre a été montré et perçu dans l'histoire de la photographie.